Previously on AMC's The Walking Dead. Ça fait mal un peu. Non, non, non. Bah déjà je l'avais coupé un petit peu, hein, parce que... Putain ! Bonjour. Alors blablabla, je parle. Bonjour The Dead, là-bas la cam. Pegasus. Bah super, bon on va commencer alors sur ce petit stream. Petit stream, voilà, Pepper. Pepper Mario ? Ah, le bait du joueur français, c'est ça. Non mais en vrai, c'est écrit, c'est pas écrit bon. J'ai pas actualisé. Ah là là, grosse erreur. Voilà, merde. Là ça devrait être bon. Hop là, ni vu. Ok. Oh les lentilles de contact. Ah oui, ça coûte que 10. Je pensais que ça coûtait genre 1 million. Il en faudrait 2 j'imagine, parce que je sais pas en général. C'est pas grave, tant pis. Tu m'apportes une nouvelle lentille ? Oui. Bah je sais pas, t'allais me poser une... Ah oui, une question merde. Dorénavant, fais attention. Oui. Au revoir, Maïté. Ouais, genre, est-ce que tu te souviens ce que c'est ça? Bon, attends, là, je suis dessus, mais... Goombeline, jusqu'au bout, tu vas me casser les couilles. Hein. Ça, tu vois, ce truc? Enfin... J'ai zéro besoin de toi, tu vois, genre... Moi, je peux très bien me débrouiller tout seul, hein. Je suis quelqu'un d'indépendant. Allez, on se casse. Oh, un champi séché. Doux souvenir de Punita qui avait offert ça à... Grand frère, tu adores les champignons, mais il est un peu flétri. Une Pounette partie trop tôt. Bon allez, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Je suis pas sûr que tout tienne dans un seul stream. Du coup, on va juste commencer à avancer. Là, dans un premier temps, on va devoir déjà découvrir un petit peu la zone qu'il y a ici. On va devoir récupérer... un pass, je crois que c'est ça. Un pass pour aller là-bas. Non, je ne veux pas te parler. On va voir les petites maisonnettes d'abord. Genre histoire de dire qu'on a un peu visité, on a joué le rôle du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allô, bonjour, j'aimerais te parler. Je veux pas te parler à toi. Alors, ma mère ne pense qu'à s'amuser, c'est indigne d'une femme au foyer. C'est triste. Mais what the fuck, c'est... Les mots font mal, hein, petit Todd. Et toi, tu veux quoi? Ma femme passe son temps au casino. Ah, ok, qui joue au jeu. Je croyais que c'était en mode, ouais... Il y a un truc, là, on est d'accord. Je veux pas te parler. Bon, alors ça, voilà, c'est le casino Pianteon. Alors, on peut dépenser de l'argent, mais qu'on n'a pas pour l'instant. Du coup, on ne va pas y aller. Peut-être un peu plus tard, je pense. Bonjour, je viens. En quoi puis-je vous aider? Oh, je me souviens plus. Je crois qu'il faut acheter... Et en fait, il y a une suite d'objets à acheter du style... Un assomme cadran. Ensuite, un éclair. Et ensuite, un champi séché. Mais je me souviens plus de tout ce que c'est. On a tous... La flemme de faire des choses, hein, du style... Faudrait-il que je range ma chambre? La réponse est oui. Ok, tu es Mario, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Heureux de faire ta connaissance, je pensais pas dans un service une star. Ah oui, bah oui, forcément Mario. Veux-tu participer au lancement de mon entreprise? Du fioul, des airs sec, pétrole, toujours chercher un bon filon, blablabla. Combien tu veux que je te donne d'argent? À partir de 100 pièces. Est-ce qu'on le fait? On va le faire, allez, 100 pièces. Parce que ça peut rapporter gros, on sait jamais. Pour une fois, peut-être que Goombeline peut nous aider. Il y a quoi là-dessus? J'ai pas lu. À me dire, j'ai pas lu. Est-ce que c'est pas l'intérieur qu'il faudra dire quelque... Est-ce que... Il me semble que c'est... Est-ce que c'est ici, en vrai? Toi, tu dis quoi? Après chaque... Ok, moi, je passe tout mon temps ici. Ah oui, du coup, c'est la mer, ça. Alors, je le dis, je le rappelle, les jeux d'argent sont considérés comme une drogue, hein, donc... Attention, enfin, on va dire, une activité à haut risque addictive. Alors, c'est très mal parti. Là, j'arrive même pas à... Yes, vas-y, alors, on va faire nos 5. Là, je le sens bien, mais je ferme les yeux. Là, s'il faut, genre, tout le monde est... Waouh! Parce que j'ai réussi à faire un truc. Ah, pas du tout. Bah, allez, encore 2. Oh! Tout ça pour 3 pignontés. Mais vous me prenez pour qui en fait, votre chien ou... Allez, vas-y. Putain, mais en fait, c'est quoi? Ils vont me forcer à jouer. Laissez-moi juste perdre. Arrête, toi. Toi, c'est pour jouer à la loterie. Je voulais pas te parler. Je ne voulais genre pas te parler. Ok. Non, merci. Ok. Ah, Limaçon. Putain, en plus, on lui a parlé à lui tout à l'heure, j'y crois pas. J'aurais dû lire. Ok, Limaçon, alors il est où déjà? On a des soleils.
et on sait toujours pas à quoi ça sert. À quoi ça sert? Bonjour. Si tu veux faire monter le niveau d'un partenaire, passe... Ouais, capitaine Bobonne, là, sur son... Trop bien, c'est pareil, c'est un de mes niveaux préférés. Si tu veux faire monter le niveau d'un partenaire, ok, mais est-ce que j'ai envie de faire monter le niveau d'un partenaire? Pardon, allô. Tu es chez... Ok, Merlon, je peux faire... Contre 3 soleils. Leur puissance... Une nouvelle technique. Combien? 3? Bah, on va prendre Goombelli. Peut-être que peut-être ça va servir à l'avenir, je sais pas. Brigidi Babidibou. J'étais pas loin. Ouais, ouais, je me souviens de la petite boule. Et c'est un de mes persos préférés. Pareil, il est trop mignon. Enfin, trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Au bout d'un moment, faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que ce serait pas toi? Parce que tu ressembles quand même vachement. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu es ici dans le, okay, le repère des limaçons. Que viens-tu faire ici? Tu veux que je t'explique comment rencontrer cet escroc de Pantheon? À cause de lui, mon gang, pas mon sang, de voleur est sur la paille, c'est quand même un comble. Tu es au courant? Bah non. Oui, ah oui. Essaie de nous racketter aussi. Veux-tu que je te dise comment le rencontrer? Ok, alors. Ça te coûtera 60... Oh non. Oh non, j'ai déjà payé 100 pièces pour rien. Oh non. Oh non, j'ai pas de sous. Oh non. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y. Oui, vas-y. Je suis dégoûté. Mais je sais que t'as pris 64 pièces. Alors écoute-moi bien. Il y a dans le quartier ouest de la ville un casino, ok? Achète un champi séché, un assomme cadran dans la boutique à côté. Fais attention. Après, il faut dire genre ma couleur jaune, je sais pas quoi. Et champi séché, assomme cadran. Quelle est votre couleur préférée? Et c'est le jaune. Oh, eh! Il y a bien trop longtemps pour pouvoir. Au revoir, Goombelline. Allez, ciao! Oh non! Alors. Putain, mais en plus, ça nous coûtait des pièces, toutes ces merdes. Vas-y. Surtout le champi séché qui sert à rien. Vas-y. Au fait, cher client, de quel est... Et on a dit le jaune. Le noir, c'est pas une couleur. Lol. Ok. Elle m'a fait... Waouh, je me suis dit, putain, on a encore foiré. Ok, nickel. Et du coup, on a accès là. Alors, on va pouvoir aller à Yunanville tout de suite. Bon, on va forcément avoir... Je sais pas. On va forcément avoir une petite quête avant. Mais il me semble qu'elle est pas trop longue, ça va. Bonjour mon ami, qu'est-ce qui t'amène? Je n'ai pas envie de rigoler, un mot de travers et je te fais couler des bottes en béton compris. Mais je porte pas de bottes. Quoi, tu veux un billet d'aéronef? Oh oh, tu oses te présenter devant le grand Pantheon pour lui réclamer un billet d'aéronef? Bah oui. Eh oui. Quel cul. Oh. L'eau du port, on va te couler les bottes en béton. Arrêtez avec les bottes, c'est même pas des bottes, merde. Il a des tripes, c'est petit, laissez-le s'expliquer. On pourra toujours voir après pour les bottes. Vous me plaisez, si... Un point, c'est tout. Faites ce que je vous dis et vous aurez votre bien. Non, allez, dis-moi tout. C'est très simple, voilà, ma fille s'est enfuie avec mon bras droit. Ils viennent juste de partir, ok, je sais où ils sont. Monica et Python. Mais patron, vous pouvez pas confier ce genre de mission à des parfois inconnus. Laissez, taisez-vous, je veux partir. Ah si, en plus c'est des bottes qu'on a, vu que là, la dernière fois on a eu les super bottes, je crois que c'était ça. Que si jamais ils allaient à Yunanville, ils nous auraient dit, tenez, je vous file le billet d'aéronef et allez les voir, donc voilà, c'est pas possible. Il y a potentiellement le train, mais je sais pas pourquoi. On va plutôt aller voir le port. Rends l'argent toi après, hein. Par contre, hein, toi tu rends l'argent, casse-toi. Genre là, ah bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est mon père qui vous envoie nous chercher. Eh oui. Enfin, c'est pour votre bonheur, hein, bien sûr. Accepterais-tu de dire que tu... Wow, dilemme moral, hein, là. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur juste de... Oh non, on va dire oui, hein. S'il vous plaît, pas d'aller-retour pour rien. Pas d'aller-retour pour rien. J'aurais dû dire non, putain. Je vais crever, en fait, hein. C'est sûr, je vais crever, hein. On va sauvegarder avant, ok? Parce que, voilà, on sait pas. Allez hop. Sur un malentendu, qu'on finisse, enfin, je sais pas si vous faites le rapprochement, les bottes en béton, moi, le porc, bon, je suis pas très chaud. Comme le porc. Tiens, c'est toi, alors... ne rien dire. Tu ne les as pas trouvés? Et vous revenez ici, le musée? Débarrassez... Oh! Incroyable! Plop twist! Monica, patron, pardonnez-nous. C'est gentil de pas me laisser faire buter, genre. Papa, c'est moi la responsable. Si je dois punir quelqu'un, punis-moi, mais pas lui. Patron, bon, les gars, s'il vous plaît,
J'aimerais jouer au jeu. Quant à toi, Python, tu as trompé la confiance, bien sûr, la confiance, il a trompé la confiance, c'est tout. Papa, cœur. Patron. What the fuck avec le cœur? Et il va te couler des bottes en béton, hein, lui, là. Il s'en fout, hein. Oui, bonjour, on avait un arrangement, Alors, pas les bottes, mais oui, je suis encore là. Une promesse, le billet d'Annie Ronef. Ok, je pense... Heureusement que vous étiez là pour les retrouver, merci. Bah, de rien. Bisous. Ouais, c'est super. Il y a le parrain de la mafia qui, ouais, si tu passes dans le coin, viens prendre un verre de vin entre nous. Koupak, mais c'est qui Koupak? C'est le Mario, alors comment ça sort Koupak? Bah, je sais pas, je le sors pas de mon sac. T'as noté Koupak, les aventures, blablabla. Quelle sera ta prochaine initiation, blablabla. On s'en bat les couilles, blablabla. De mémoire, dans Sunshine, ils sont pas sympas non plus, même ils te prennent pour un mauvais perso. Là, il y a carrément un parrain de la mafia, les Delphinos seraient-ils pas une commune enculée? Ouais, je pense que... Ah, ouais, mais après, faut voir aussi les choses dans Mario Galaxy... L'autre, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Sunshine. Les gens juste... Bon, après, ils sont un peu cons, les gens, mais ça c'est encore un autre problème. Mais les gens pensent quand même qu'on a dégradé toute leur île, qu'on est la cause de tous leurs problèmes. Non, je parle pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont méchants. Allez, là, est-ce que vous êtes prêts? On va monter. On va aller dans mon monde préféré. Un truc fun, il a dit un truc fun. Ok, là, donc du coup, nous voici dans le chapitre 3. Vas-y champion, vas-y. J'ai commencé cette série de stream, tout ça, juste pour ce passage-là. Frère, je sais déjà pas comment appeler mon perso sur deux. C'est bon, et c'est vrai. Oh putain, on a passé des soirées à chercher des pseudos au lieu de jouer. Pas grave. À qui doit-on parler? Bonjour, toi, t'es moche. Mais que fait-elle là? Bonjour, mi amor, comment se retrouve? Le nez, arrête. Ah, c'est tout, c'est... Niveau ligne de dialogue, on a connu mieux. Alors, est-ce que... Et du coup, le match de catch. Ah, ok, on voit vraiment rien. On dirait la vraie vie. Regarde-moi, Samarion, un combat a commencé. Bah, on voit pas grand-chose, mais... C'est pas une compétition, t'aurais pas un adversaire valable. T'inquiète, j'arrive. Personne ne la suit, que des blancs, bec. Trouve-moi un vrai... Mais j'arrive. Oh, mais si t'arrêtes pas de parler, je ne peux pas venir. Ok, regarde Mario, la ceinture du champion ne serait-ce pas la gemme étoile? Il semblerait bien. Ok, comment faire? On peut quand même pas voler cette... Non, mais on va pas la voler. Devenir champion. Voilà. Ok, j'ai le cœur qui bat 100 à l'heure cherchant un organisateur. Par contre, fais pas la belle parce que genre au bout de 3 matchs, tu vas dégager toi. Genre... Ok, c'est à l'autre bout du monde. Hein. C'est vraiment là. Ça a l'air d'être là. Pas du tout. Ok, ça a l'air d'être là. Pas du tout. Ok, ça a l'air d'être là. Voilà, c'est exactement du premier coup que j'y suis arrivé. Vraiment, je m'en souvenais très très bien. What do you want? Ah oui, what do you want, toi? Ici, c'est mon bureau, my room, tu vois. Do you think que c'est des manières de rentrer comme ça sans frapper? Tu veux t'inscrire? Tu veux devenir un fighter? Yeah, alright, les futurs fighters sont toujours welcome. Hungry. C'est vrai que j'ai un petit peu faim. Je suis un peu worried pour toi, tu frises la limite d'âge et tu es un peu maigrichon. Or maigrichon, c'est vraiment pas comme ça qu'on me définit actuellement, en ce moment, toujours, depuis 1985, voire même avant. Mais maybe tu as une revanche à prendre sur la vie. Oui. J'étais impolite quand j'étais jeune, mais j'ai fait tous les Ring of the World et je suis devenu un champion aussi. Bah, ça se voit pas, mais pourquoi pas. Je ne monte plus sur les rings maintenant, je suis hyper super. En fait, mon dream s'est réalisé. Yes, le plus important, c'est de toujours avoir un dream. Toujours avoir un dream. So, ici, c'est la... Ok, je pensais que c'était ma room. Ok, ma room, allez, c'est bon, maintenant je commence à parler comme lui. Si tu deviens le champion, ça devient ta room. Ok, bien sûr, tu gagneras un big money, blablabla, je m'en bats les Goomba. Je crois que tu peux devenir champion, j'ai confiance en toi. Laisse-moi combattre. Well. Si tu veux t'inscrire, ne perdons pas de temps. Peux-tu write ton name ici? Vous avez signé le contrat. Comment je me souviens plus comment je m'appelle, genre un nom style un peu typé espagnol, non? Super Gonzalez. C'est vrai. Bon, espagnol plus mexicain, mais voilà. C'est noté, j'avais oublié que c'est noté. Allez. Oui, c'est tout ce que je demande. Prendre du plaisir. Enfin, prendre du plaisir sur le jeu, hein, je... Tu vas commencer, ok. Le vestiaire pue la merde, hein, soyons francs. Comme tous les participants dans ce tournoi.
Mais oui, bah vas-y. Ok. Les chewing gums. Ok. Je pense que tu n'en feras qu'une bouchée. Ah ok, le jour. Vite. Ah mais ces jeux de mots. Mais ces jeux de mots de l'enfer. Oui, c'est bon. J'espère que... Oui, j'ai tout enregistré. Enfin, je veux dire, c'est noté. Bon, j'ai déjà combattu des... J'ai combattu un dragon quand même, il y a pas si longtemps, voilà. Les indécollables. Putain, les indécollables chewing gums. Ouais, rappelle-toi, en deux mots... Ok, dac. On va faire ça. Trop simple. Une étoile. Un point étoile. À quel moment? Ok, le new héros est né, vous pouvez l'appeler. Bah désolé les Goombas, vous êtes out. Tu t'es vraiment bien battu. Pourquoi tout me gratte en fait? Mais un professionnel fighter doit... J'ai oublié de charmer. Non, j'ai oublié de charmer. J'avais un seul truc à me souvenir. Il a fallu que je me loupe. Putain, merde. J'espère que je vais pas devoir me retaper le combat. Aux gens à côté. Et le nouveau, c'était comment ton premier combat? Bah, c'était relativement simple. Alors, j'ai pas charmé le public, mais je suis Kevin. Voilà, je suis Kevin. Moi aussi, je partage ce vestiaire. Enchanté, j'espère. Oh, bah, Kevin a quand même la classe, hein. Soyons francs. Une belle représentation de classe ici. J'espère que tu te plairas ici. Salut. Puisqu'on nous présente, je te donne un conseil. C'est noté l'a dit, mais n'oublie pas de respecter les consignes du patron. Comme ça, tu affronteras un adversaire mieux classé que toi au tour suivant. Pardon? Quoi? Lui, moi, j'aime pas faire un Miami. Bon, il est pas super sympa. C'est comme ça. Bon, il est pas super sympa, mais... Putain, ça veut dire que... Est-ce que je peux ouvrir, genre, les casiers, là? Rieng. Et lui? Rieng. Mais lui, par... Rieng. Et lui... Ok. Ah, je peux le fermer. Mais si je rentre dedans... J'allais dire je suis bloqué, ok, y'a rien du tout. Goombeling par contre en PLS. Ok Gonzalez, tu vois que tu viens de t'y mettre. Let me see, tu vas te battre contre. Oh, putain, contre les chewing gum, putain. Je regrette, je n'ai pas compris. Mais je t'ai pas parlé, en fait. Bah Goombeling, tu peux la merde. Bah nique-toi Goombeling, nique-toi. Yes. Encore un point étoile. Trop bien. Ok, on va pouvoir peut-être avancer pour de vrai cette fois-ci. Ça devrait être relativement simple. Je crois que le coin est pour nous deux. Ah, mais t'es 18ème, Kevin. Ah, oh, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Putain. On va se battre contre Kevin. Fais bouffer ses grands morts à ce Kevin. Et c'est parti. Un point d'expérience. Bon. On a déjà vu. Un peu mieux. Et le gagnant est Super Gonzalez. Et c'était quoi déjà le... Ah oui, pas utiliser d'objet. Ok, ça. Ok. Le nez. Il a l'air trop triste. T'es costaud toi alors. Gagner contre moi. Mais t'es 18ème, ça va, c'est pas non plus. Mais j'aurai ma revanche, t'inquiète. Je suis assez sceptique là-dessus, mais. Oui, alors pour ce combat, tu dois souffrir. Hein. Parce que les gens qui souffrent pas, après, le spectateur, il s'identifie pas. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Très facile. Ok, c'est un peu qui. Ok. PCM1, puissance 3. Oh putain, on va se faire défoncer, puissance 3. Il lance des morceaux de son corps. C'est dégueulasse, hein, ça, par contre, monsieur le cactus. On riposte pas. Ce n'est pas tranquille parce que... Quoi, pardon? Wow, what the fuck? Tu es de retour, Gonzalez? Oui, certes. Alors, tu as encore gagné? Ça va pour toi, dis donc. J'aimerais bien que ça se passe aussi bien pour moi. Oh non, Kevin, qu'est-ce qui t'arrive? Kevin, raconte-nous tout. Viens ici tout de suite. Contre qui cette fois-ci? Ok. T'y mettre, let me see, tu vas te battre contre The Décharné, number 16 au classement. Au moins, les noms sont créatifs. Hein. C'est pas un match wonderful, un match où tu peux pas compter sur tes armes. Yo, j'attends un fight de pro. J'ai pas juste lu. J'en connais un qui doit aller aux toilettes. Pour la 18ème fois de la journée. Alors. On va jouer aux osselets avec tes... Avec quoi? Tes métacars? Aussi simplement que ça. Il paraît que t'as encore gagné, t'es un coso. Qu'est-ce que je t'aime, Kevin? Pourquoi il a fallu que je te batte si tôt? Chut. Méfiez. Ça va? Ah non, ça va. Du calme. Aïe. Oh. Ça suffit. Maman. Poussez-vous. Il paraît que l'on a emmené quelqu'un de sévèrement blessé à l'hôpital. Logique. J'imagine qu'on doit continuer. On a gagné 5
5 pièces cette fois-ci, bon. C'est pas grave, de toute façon on n'avait pas pour vocation de devenir riche, hein. C'était, vas-y, chose... Déjà, si on voulait devenir riche, on n'aurait pas investi 100 pièces sur la souris, là. Ok. Bah, c'est... ça va être tendu, hein, pour la qui merde, là. Dac, cool. Putain, on a fait un dégât, est-ce que c'est sérieux? J'ai pas d'objet. Va falloir que j'aille acheter des objets, hein, je pense. Mais c'est sérieux, ça? Là, on devrait avoir... Putain, j'arrive pas à le toucher. Mais c'est ouf, ça! Mais le timing, les gars! Nickel, j'y arrive quand ça sert à rien. Vous faites comme ça dans le chat et vous balancez les points étoiles. Putain, je... Là, pour le coup, il est pas dur. Merde, désolé le micro. Il est pas dur, le combat, il est juste chiant. Yes, allez, toi t'es mort. Le problème étant que... Mais genre, c'est sérieux, ça, à un moment? Ok, c'est bon, on touche la qui tue, c'est ce qui me faisait peur. Putain, mon gars, de 5! Non, pardon, le micro, t'es au milieu aussi, hein. Oh là là. À quel moment, genre, il se passe un truc dans le scénar, là, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des... plus de choses. On m'a dit que le stand de hot dog proposait un nouveau menu. Il paraît que c'est un hot dog avec un œuf bizarre provenant d'une île tropicale. Il paraît aussi que... Ok. On va aller voir ça.